les amis, on se met à quatre pattes. Il y a de la boucane. Qu'est-ce qu'on fait? On met à quatre pattes, papa. Il fait noir, il y a beaucoup de boucane. On voit pas. Qu'est-ce qui est important, c'est de suivre le mur. Puis aller à la porte la plus proche pour sortir dehors. Vous allez avec moi, vous allez me suivre. On va suivre le mur à quatre pattes en touchant le mur. Puis on va sortir dehors. OK. On vient. On touche le mur, les amis. Habituellement, on a une heure entre le moment de l'accident et le moment où le patient doit rentrer à l'hôpital et vu par un médecin. Aujourd'hui, on a affaire à un accident avec impliquant deux véhicules à essence. Un avis complet de pompier. En plus de l'avis complet, on a des lunettes de sécurité qui sont importantes. Les gants pour les risques biologiques. Bonjour monsieur, mon pompier de Saint-Jean, là pour vous aider. Traverse l'autre côté, on va passer dans le véhicule pour aller vous rejoindre dans le véhicule par l'arrière, pour les passagers. Ne paniquez pas, on va bien là, on va aller vous aider, mais l'ingénieur, on va se parler ensemble. C'est important d'avoir quelqu'un avec la victime parce que la victime est souvent déjà en état de choc. Le pompier qui va rentrer à l'intérieur va stabiliser son état et en plus va la rassurer tout au long de l'intervention. Pendant ce temps-là, nos autres pompiers vont commencer à immobiliser le véhicule pour que, peu importe comment il est placé, il est positionné, on ne doit pas le faire bouger pour ne pas augmenter les blessures de la victime. C'est important que le véhicule soit bien stabilisé. Ça, c'est à tous les intervenants, autant police. Puis d'autres, c'est tout du bénévolat. Là. Il n'y a personne de payé. On fait des collectes, soit au GA, on vient en bout de survie. Ça coûte environ 25 $ par année pour vivre.